Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier lundi des vacances pour certaines personnes. J'espère que vous avez très bien profité de votre première semaine et la deuxième s'en vient. Profitez-en, il fait beau, la vie est belle. Donc, c'est super. J'aime toujours ça les lundis soirs pour les soirées témoignages. Je me présente, mon nom c'est Léo Lemay, je suis consultant en technologie japonaise puis ambassadeur du mouvement Humainement Meilleur. J'ai eu la chance de découvrir ces technologies-là il y a exactement 23 ans. À cause d'une dame, à cause, grâce à une dame plutôt, on va dire plus à grâce parce que ça a changé ma vie, qui souffrait de fibromyalgie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, la fibromyalgie. Vous savez que c'est très, très douloureux. Moi, je ne connaissais pas ça, mais j'ai vu cette dame-là souffrir de ça. Et elle a eu la chance de connaître les technologies japonaises en 1998. Et après 6 semaines de. Là-dessus, elle a eu tellement un bon résultat qu'elle ne pouvait pas faire autrement que m'appeler parce qu'elle savait que j'avais des problèmes de maux de dos. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont mal au dos? Ça, on en connaît pas mal plus, hein? Fait que c'était facile. Fait que moi, j'avais aucune idée c'est quoi qu'elle voulait me présenter. Je me suis présenté, elle m'a fait une présentation, puis j'ai adoré ce que j'ai vu, que j'ai entendu. Et ça a changé carrément ma vie. Donc, je vais toujours être reconnaissant envers cette dame de m'avoir osé m'appeler. C'est ça le but d'au lundi, c'est de ne pas garder ça secret. Il n'y a personne qui connaît ça au Québec, même si ça fait 23 ans que je me fais aller à la boîte. Il y a encore bien du monde à qui j'en parle. Hein? Je ne connais pas ça, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on fait nos zooms du lundi soir. C'est dans le but de partager des témoignages. Ce soir, vous allez entendre des témoignages de gens qui ont eu des résultats. En passant, est-ce qu'ils ont été guéris? Non, ça ne guérit pas personne. C'est bien important de le mentionner. Il n'y a aucune personne qui est guérie avec ça. Mais ça a eu des résultats, ça soulage, parce qu'au départ, ça a été créé par les Japonais il y a 46 ans. Ça a débuté au Japon. Puis les Japonaises, eux, c'est la prévention, première chose qu'ils font. C'est prévenir. Ils n'attendent pas que ça fasse mal. Ils préviennent pour pas que ça fasse mal, autrement dit. Mais en 46 ans, il y a eu des gens qui ont eu tellement des bons résultats que ça a été, moi, ça me fait capoter depuis 23 ans parce que j'ai plein de gens que j'ai aidés avec ça. Donc, ça ne guérit pas. Ceux qui sont là pour la première fois, puis il y aura peut-être des questions, on va passer les 5-6 personnes à parler. Il va y avoir une série de questions à la fin. Donc, gardez-la pour la fin parce qu'on fait un enregistrement de 30 minutes pour partager. C'est ça qui est le but. Ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir à cause sont en vacances, c'est correct, c'est très compréhensible. Mais ce n'est pas grave, vous allez recevoir l'enregistrement. Et tout ce qu'on vous demande, c'est de l'écouter puis de le partager parce que vous ne savez pas qui ça peut aider. On s'entend, là. Il y a plein de gens alentour. Quand je pose la question, connais-tu quelqu'un qui a mal aux pieds, mal aux jambes, mal au dos? Tout le monde me dit oui à cette question-là. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, tout le monde me dit oui, peu importe l'âge. Donc, on va commencer avec la première. On s'en va avec Angelica. Angelica, ouvre ton micro, s'il vous plaît. Allô? Donc, qu'est-ce que ça a fait dans ta vie, Angelica, les technologies Nikon? Je pourrais parler pendant des heures et des heures. Mon défi ce soir, c'est de faire un ensemble de tout. J'ai une petite anecdote en fait à partager avec vous. Hier, j'étais avec mes filles. On se promenait dans le bus à la ville de Sherbrooke et j'ai eu l'idée de créer quelque chose pour conscientiser les gens. Donc, mes filles et moi, on avait ça. Je vais la lire rapidement, là. C'est les bouteilles en plastique à usage unique seront interdites partout au Canada, car elles ajoutent considérablement à nos sites d'enfouissement et polluent l'océan. Seriez-vous intéressé à avoir de l'information sur une solution écologique et économique en plus de vous offrir une des meilleures qualités d'eau au monde? Je pourrais vous dire que pas mal tout le monde a dit oui. On a des petits dessins qu'on a fait avec, que je fais avec mes filles. Et de un, j'ai senti que j'ai pu connecter et vraiment être la personne qui représente un mouvement qui s'appelle Humainement Meilleur. J'étais fière de faire ça avec mes filles. Mes filles ont vu qu'est-ce que c'est, en fait, d'être dans ma peau de maman, de laisser une belle trace, on va dire, qu'ils se rappellent que ma mission de vie, c'est vraiment de rendre un monde meilleur pour moi et le monde que je vais laisser à mes enfants. Donc, hier, j'étais au paradis avec ça. J'ai pu faire des connaissances avec des gens. J'ai vraiment senti que la vibration était tellement élevée que j'ai juste connecté avec des gens qui m'ont remercié. Je leur ai envoyé l'information. Ils m'ont répondu.
Il était vraiment content. Puis ma fille était tellement, tellement enthousiaste de parler de la bouteille, puis de la qualité d'eau, parce qu'elle, elle est, c'est le produit du produit. Hein. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas utilisé. On ne peut pas parler de quelque chose qui ne nous a pas fait du bien, juste pour dire quoi que ce soit. Donc, je l'ai vu dans ses yeux. Elle m'a dit, on va faire le tour des voisins, maman, on s'en va. Puis j'étais vraiment super contente. Donc, en gros, ben, aujourd'hui, je n'ai pas la bouteille physique avec moi parce que j'y ai donné à ma plus petite fille. Parce qu'elle a perdu pour la troisième fois, mais c'est pas grave, je l'achète à chaque fois, ça me dérange pas. Mais je peux vous présenter le waterfall qui est juste ici. Il est super petit, en plus d'être super beau. Je trouve que ça fait un bel ajout dans ma cuisine. ben c'est ça, je l'utilise, j'ai vraiment une des meilleures qualités d'eau. L'eau, c'est super important dans la vie pour n'importe quelle personne. J'ai des amis qui me demandent, parce qu'ils viennent ici, moi je donne bien sûr à boire la bonne eau, puis ils me disent tous que ça goûte vraiment bon. Puis c'est rendu qu'à chaque fois que les gens arrivent, ben, là, ils sont comme, je peux-tu boire un verre d'eau? Je suis comme, ben oui, bien sûr. Moi, ça me fait plaisir d'offrir des choses de qualité. Donc, je m'arrête là, mais j'aurai pour une prochaine fois un super gros plaisir de pouvoir continuer à partager c'est quoi mes expériences avec les produits et tout. Ben, merci beaucoup, Angelica, puis je te félicite vraiment là, l'initiative que tu as faite avec tes filles. Là, c'est wow. Pour moi, là, c'est un bel exemple que tu le donnes là, pour le mouvement Maman Meilleur. Puis c'est vrai que pour montrer aux gens, c'est cette bouteille-là qu'elle parlait, justement. Donc, bravo, c'est vraiment génial. Puis vois-tu, l'idée d'inviter les gens à les boire de l'eau, ça te coûte moins cher qu'avant quand tu leur offrais du vin et de la bière. Hein? Fait que c'est déjà très économique en partant. Donc, si les gens ils disent ça coûte cher, ça, ben ça, moi, en tout cas, ça, j'y vais la différence moi-même parce qu'avant de boire ce tour-là, je prenais plus de bière et de vin. Donc là, j'en prends plus, je bois de l'eau. Fait que c'est vrai que ça marche. Deuxième intervenant, Manon, ouvre ton micro, s'il vous plaît, Manon. Oui, bonsoir. Bon. Moi, ce soir, je vais vous parler du quinquagram. Okay. Quinquagram. Là, vous n'allez pas me voir la face parce qu'il est tellement. Coucou, ma blog. Bon, ça, c'est le quinquagram. Ça, moi, ça a changé ma vie. Bon, moi, j'ai une petite fille. Mes petits-enfants, ils habitent avec moi. C'est des jumeaux. Puis, ma petite fille, mon petit-fils, on le couchait à 7h30. Il est couché, puis il dort, puis il ronfle. Ma petite fille, cependant, je la couchais à 7h, 7h30, comme son jumeau. Elle me t'a fait ça jusqu'à 10h. Des fois, j'allais me coucher avant elle. C'était rendu là, là. Fait que. Là, quand j'ai entendu parler du quinquagram, j'ai dit, on va l'essayer. Je l'ai commandé. On l'a eu. Ça a duré 3 jours. Elle dormait. À 7h30, je l'ai couché à 8h moins quart à dormir. J'ai dit, ça se peut pas. Mais il nous est arrivé un petit malheur. Je l'ai brisé. Je l'ai fait préparer. Mais les 3 jours qu'on ne l'a pas eu, les 3-4 jours qu'elle ne l'a pas eu, là, ça avait recommencé à se coucher tard, elle ne dormait pas. Là, j'avais vraiment hâte de le faire réparer. Je l'ai fait réparer, c'est revenu. Et depuis 7 ans, là, je l'ai juste déplugué pour vous le montrer, puis je m'en vais le repluguer pour qu'elle se couche tout à l'heure. Ça a été, en tout cas, moi, ça a été merveilleux. Il y a aussi ma mère à ronfle. Puis on s'est dit, tiens, on va l'essayer avec elle aussi. Ben, on l'a essayé, ça a marché. Elle ronfle plus, puis elle se levait comme 3-4 fois par nuit pour aller aux toilettes. Elle se lève plus. Et elle ne ronfle plus. Puis ça n'a pas pris 3-4 mois, là. Ça a pris deux, trois soirs. Là, elle l'a eu, puis bang, c'est réglé. Fait qu'on a réglé 2 gros problèmes dans notre petite maison. Bien, merci beaucoup, Manon. Je sais que tu en as plusieurs autres choses, tu as eu des résultats, mais ça sera pour une autre fois. Fait que déjà que ta maman ronfle plus, c'est déjà très intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ce problème-là. Ouf, oui. Ça ne s'en rend pas compte, mais nous autres, on vit l'enfant, par exemple. Exactement. Moi, j'ai jamais eu trop de problème de ronflage, mais quand je suis allé en voyage en 2019 en France, mon colocataire, il ronflait, puis j'étais 4 nuits sans dormir. Enfin, je sais c'est quoi. OK, je ne vais pas penser d'amener le quelco-grand, whatever. Donc, merci beaucoup, madame, pour ton beau témoignage. C'est super le fun, toujours. Natacha! Natacha! Salut Natacha. Comment ça va, Natacha? Ça va très, 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 très bien. Merci beaucoup, Natacha. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie avec les technologies? Plein de choses. En fait, plein de trucs que j'ai essayé. Moi aussi, j'ai essayé le quinquagram.
Oui. Souvent, en fait, je l'offrais à mon colocataire, puis en l'essayant, ben, c'est à moi que ça a fait du bien, fait que j'ai décidé de ne pas y offrir, puis d'en acheter d'acheter autre chose pour lui qui était plus convenable, qui était la plaque de dos, étant donné qu'il a mal au dos. Mais là, ce soir, je pense que je vais parler de quelque chose d'autre, par différent un petit peu. J'ai essayé les Power Mini. C'est vraiment de petits aimants. Je vais vous montrer le. Il est vraiment très petit, qu'on installe avec un plaster, comme ça. J'ai l'année passée, juste avant la fermeture, la dernière journée où ils ont fermé les chantiers, j'étais sur un toit et je voulais descendre dans une nacelle qui était très, très mal positionnée. J'ai pas voulu, dans le fond, pas me péter la gueule, mais genre, j'ai pas voulu me faire du mal, mais en même temps, j'ai eu peur parce qu'elle était mal, elle était à un pied du rebord. Puis beaucoup plus basse que la toiture. Fait que j'ai descendu dans la nacelle et je me suis enfargée. Fait qu'il y a quelqu'un qui m'a tiré par le bras. Et depuis l'année dernière, j'ai des douleurs au dos. J'ai vu plusieurs chiro, j'ai vu ostéo et tout ça. Puis là, ben, c'est sûr que je n'étais pas capable de lever une tasse ou je devais avoir les bras vraiment collés pour être capable de lever quelque chose. J'ai vu le chiro, ça s'est comme placé un peu, mais ça revenait. Puis là, ben, pour fonctionner, étant donné que je suis souvent en déplacement, j'ai décidé d'essayer. Je disais, je vais l'essayer voir. Fait que j'ai mis un Power Mini. J'ai demandé à mon coloc de me peser dans le dos. Puis je l'ai installé là. En fait, je sentais encore un pincement si j'étirais mon dos, mais autrement, j'étais capable de fonctionner, de lever des bras, de bouger. Puis après une semaine, par curiosité, je l'ai enlevé. Sous la douche et tout ça, dans le bain, ça tient. Il n'y a vraiment aucun problème. Je l'ai enlevé parce que je me demandais si ma peau, elle n'aurait pas eu une réaction. Souvent, avec un plaster, après quelques jours, ça fait une plaie. Rien du tout. Fait que j'ai décidé de le remettre parce que 3 jours après, j'ai recommencé à avoir des douleurs. Fait que je me le suis remis à la bonne place. Je suis capable de fonctionner, en fait, en ce moment, grâce à ça. Fait que j'ai pas la douleur. C'est sûr que, bon, je vais aller voir encore peut-être un peu plus loin. Est-ce que j'ai déchiré quelque chose? J'ai aucune idée, mais au moins, je peux faire ma job. Fait que ça, c'était un. Et j'ai aussi essayé ça ici, qui est un manchon à l'infrarouge. C'est pour le genou, mais que moi, je l'ai pris plus grand. Mais je me suis dit, je peux l'utiliser au niveau du bras un petit peu partout. Puis en fait, il m'est arrivé une autre anecdote. Je suis allée faire du kayak. Puis habituellement, ben, pour aller travailler sur les toits, ben, j'ai les bras à découvert, j'ai le visage à découvert. Fait que je mets de la crème auto-bronzante. C'est comme, ben, pas auto-bronzante, mais pour le bronzage. Puis j'ai oublié de mettre les jambes. Fait que là, j'ai les deux genoux. J'ai eu de la misère à me plier les genoux hier, tellement c'est brûlé. La peau est enflée. Bon, je mets de l'aloise, tout ça, mais pour calmer le côté brûlure, je le mets sur mes jambes. Les draps me font mal là, en ce moment. Là. Fait que les pantalons, tout me fait mal. Fait que c'est une autre petite expérience que j'ai faite. Puis des fois, ben, quand je veux m'endormir parce que je dors sur le Kenko Ground, mon nouvel ami, parce que maintenant, ben, je fais des dodos toutes les nuits complètes. Ben, quand j'ai mal au ventre, ben, je rajoute ça par-dessus. Si je ne l'ai pas et qu'il ne sente pas trop des pieds, ben, je mets les semelles. Puis là, il y a quelque chose que Nikki ne vend pas encore parce que je pense que les mouches aussi ils aiment le Kenko Ground. Fait que la nuit, ben, je suis obligée d'attaquer avec des mouches. Fait que c'est à peu près ce que j'avais à partager pour le moment. Fallait que je dise ma niaiserie. Ben oui, c'est le fun. Merci beaucoup. En tout cas, tu as fait tes tests. C'est ça qui est le fun avec Nikan. C'est comme une pharmacie ambulante qu'on a chez soi. Puis on peut faire bien des expériences avec ça. Au besoin, on ne fait pas exprès pour se faire mal, pour les essayer en posant. Donc, Sylvie Prieur, s'il vous plaît, peux-tu ouvrir ton micro, Madame Prieur? Oui, bonsoir tout le monde. Sylvie Prieur. Comment... Je repasse toujours au témoignage de Natacha. J'adore tes témoignages, Natacha. Tu me fais toujours rire. Ce que j'aimerais vous parler, c'est ce qui m'a sauvée dernièrement, si je peux dire. En fait, j'ai eu un petit dent d'énergie il y a 2 mois, à peu près. 2-3 mois, puis c'était quand même assez intense comme down. C'est très fatigué. Je me levais le matin. Je commençais à travailler, je cognais déjà des coups, j'avais juste le goût de retourner me coucher. Après le dîner, c'était la même chose. Donc, ça a été des journées très éprouvantes. Et je me suis procuré immunité. Donc, ça ici, c'est 14 sortes de champignons différents
Il y en a un là-dedans, entre autres, j'ai su qu'il valait plus cher l'once que l'or. Donc, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. Il n'y a pas un once dedans. Mais c'est 14 champignons, c'est immunité, donc ça le dit bien, système immunitaire, ça remonte un système. Donc ça m'a aidé beaucoup. Une autre chose aussi que je me suis procuré, c'est le 10-4. Donc ça, c'est des sachets de thé matcha qu'on mélange avec l'eau alcaline. Et en après-midi, après le dîner, quand on a un petit down, là, ça arrive de temps en temps, on mélange ça avec de l'eau et ça se transporte super bien un peu partout. Moi, j'en ai un peu partout. J'en ai dans mon sac à main, j'en ai dans mon pas de sac, j'en ai partout. Là. Ça, c'est le kit de survie pour un peu d'énergie, un petit boost d'énergie en après-midi. Donc, super délicieux aussi. Donc, ça a l'air de rien, mais ça a tout son effet. L'autre chose que je voulais vous partager, je n'ai pas parlé souvent, puis pourtant, je travaille beaucoup en arrière d'un ordinateur à journée longue. J'ai souvent des douleurs aux épaules, au cou. Donc, souvent, si on pèse ici, donc là, on va sentir les douleurs et tout ça. Et j'ai la chaîne magnétique de Nikon, le Kenko Link. Et cette chaîne-là, on peut l'avoir en deux couleurs, en or, en argent, mais on peut l'avoir aussi en nylon noir. Super! Et écoute, moi, là, je capote là-dessus. Je trouve ça super génial. Depuis que je la porte, j'ai plus ces tensions-là, ces raideurs-là dans le cou ou au niveau des dessus des épaules. Donc, vraiment, il y a quelque chose de magique qui se passe à ce niveau-là. Donc, j'ai plus du tout les douleurs. Donc, ça, c'est vraiment... un outil super génial. L'autre produit que je voulais vous parler, c'est comme Natacha a parlé du... je les ai toutes, là. Fait que celui-là ici. Donc, ça, c'est la chevillère. Super pratique. Donc, on peut l'utiliser aussi pour le poignet. Avec ici, c'est habituellement fait pour le talon. Mais le pouce passe aussi si on l'utilise pour le poignet. Mais je l'ai utilisé justement pour ma cheville parce que je me suis... blessée, cassée la cheville il y a 2 ans et demi. Et en automne, j'avais comme, je ne sais pas pourquoi, ça ne m'était pas arrivé, mais en tout cas, j'avais des douleurs qui revenaient. Donc, j'ai enfilé cette bande de soutien-là avec le Power Chip. Donc, ça, c'est aimanté. Ça, c'est l'infrarouge lointain. Donc, les deux combinés sur l'endroit où ce que j'ai appliqué le Power Chip, l'endroit où ce que j'avais eu la fracture. Et j'ai dormi avec ça deux, trois soirs de suite. Puis après ça, c'est plus revenu du tout la douleur. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, c'est les produits que j'avais envie de vous partager ce soir. Bien, merci beaucoup, Sylvie. C'est toujours intéressant. Moi, je reviens quand j'ai connu ça il y a 23 ans. La dame, c'était pour sa fibromyalgie, mais moi, elle m'a parlé pour mon mal de dos. Et j'assistais à sa présentation, puis je suis parti avec ça. Les semelles magnétiques. Bon, moi, j'étais à l'auto, je restais à Sherbrooke dans le temps, puis elle était à Montréal. J'ai dit, bon, je fais quoi avec ça? Bon, j'ai dit, je ne peux pas les découper, je n'ai pas de ciseaux dans l'auto. Moi, je ne sais pas vous autres, mais je ne traîne pas de ciseaux dans le champ. Fait que j'ai hésité à les mettre dans mon dos. Comme ça, dans mon dos. Et normalement, après une demi-heure d'automobile, j'ai plus de position, je me prends, tu sais, je danse sur le siège, là, finalement. Et j'ai descendu une shot directement à Sherbrooke, sans danser, sans arrêter ou quoi que ce soit. Et même quand je suis arrivé à mon appartement, la concierge, je dis, monsieur Lemay, elle dit, j'avais des traces de pas dans le dos. Là, j'ai réalisé que j'avais ça dans le dos, finalement. J'avais oublié. Tu sais, quand t'as plus mal, t'as oublié, hein. Et là, tout de suite avec ça, ben, je me suis mis à y porter à journée longue dans mes souliers, c'est sûr. Mais la nuit, je les mettais dans mon dos, je dormais avec. Parce que mon mal de dos m'empêchait de m'endormir. C'était long, là, je chantais les lancements. Donc, et quand j'ai décidé d'en faire une carrière, finalement, parce que ça, j'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie. À un moment donné, je reviens un soir, puis mon fils de 14 ans, petite calotte de côté, boucle d'oreille, tu sais, le style, les culottes à moitié des fesses, là, et puis là, il m'attendait. Je fais là, j'ai dit. J'ai tombé avec la planche à roulettes, là, tu sais, il faisait des folies, là, j'avais envie de pas le voir. Puis il avait achevé comme ça. Là, lui, tout de suite, il s'attendait que je l'emmène à l'hôpital, le tapis rouge, puis tout le kit, hein. Non! Papa, il est content. Il dit, comment ça, t'es content? Il dit, t'es fait mal? Super, on va essayer quelque chose. Fait que là, je prends les McBoy,
Puis là, je commence à faire à envoyer le magnétique par-dessus sa cheville, puis je ne pouvais pas le frotter, il avait tellement mal. Fait que moi, j'étais là, puis j'étais tout excité, là, puis il y avait la patte sur moi, puis je faisais ça, puis à un moment donné, il était sur l'épaule, il dit, père, il dit, t'as-tu fumé quelque chose? Tu allais. Non, ça va super bien, mon appel, je laisse pas faire. Puis après ça, j'ai mis le power chip de même, puis la cheville. J'ai dit, garde, Raphaël, on va aller coucher, puis je l'ai amené dans sa chambre d'une patte, puis on verra demain. Le lendemain, il était parti, mais c'était en été. Je n'étais pas inquiet, j'ai dit, un ado, il revient quand il a faim. Fait que finalement, il était à dîner, il est revenu. Fait que je le surveillais, il ne boitait pas. Tout était beau comme si rien n'était. À un moment donné, j'ai dit, comment va ta cheville? J'ai dit, tout est beau, pas. Savez-vous que j'ai sauvé un 20 heures d'attente à l'hôpital? 20 pièces de cochonnerie achetées avec la machine parce qu'il m'avait vidé des chips à liqueur. Tout ça, j'ai sauvé ça à cause de ça. Fait que ça a été super bon pour moi. Là. Fait que l'autre chose, je veux un autre témoignage. Ça, c'est vraiment, je l'ai toujours avec moi. Puis à un moment donné, j'ai un ami qui m'invite à souper. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne fais pas manger. Donc, il m'invite à souper, puis il ne regarde pas ce qu'il fait. Il sort la lasagne du four, puis il me parle en même temps, puis il arrive pour la lever, puis il n'est pas sorti du four. Fait que vous imaginez la scène, là, les madames, là, il s'est brûlé ici. Fait que là, il s'est mis à danser dans la cuisine, tellement ça lui faisait mal, tu sais, l'effet des lancements. Fait que moi, je le regarde, je dis, effectivement. Il m'a dit, tu es innocent. Il dit, ben oui, ça fait mal, toi, bien, là, etc. Fait que moi, je monte ça. J'ai toujours ça dans ma poche en arrière, moi. Ça fait 23 ans que je tiens ça. Là, tu toi, le vendeur de guenilles, charlatan à merde, puis des ramancheux de miracle, puis tout le kit, là. Tu sais, il était vraiment sceptique, là. Il ne me croyait pas à rien. Là. J'avais beau y en parler, mais il me croyait vraiment. Fait que finalement, je le laisse faire. Puis là, ben, il se décide, il dit, ça peut-tu marcher? Je ne sais pas. Tu viens de te faire mal. Ça te fait mal? Dit, oui, ça fait mal. Bon, je le vois, là. J'ai dit, je ne sais pas. Je n'ai jamais été assez innocent à me mettre la main sur le poivre et l'essayer. Tu sais, je suis pas calme quand même. Là. Fait, j'ai dit, regarde, je l'ai, essaye-le. Puis j'étais pas sûr, je ne savais pas. Fait qu'il a mis la main de même. Comme ça. Puis en 30 secondes, le feu est arrêté. Tu sais, l'effet de. Là, il était là, puis il le regardait, il dit, tabarouette, il dit, ça fait plus mal. J'ai appris, je ne savais pas. Tu sais, c'est comme Natacha sur le coup de soleil. Quand c'est frais-fait, là, c'est l'infrarouge, on ne sait pas ce qui se passe avec ça. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, je ne suis pas un gars qui connaît tous les produits par cœur, même après 23 ans. Ce n'est pas ça que je veux savoir. Moi, c'est le résultat qui vient avec la place. Donc, fait que lui, juste avec ça, il est plus jamais, il ne m'a jamais insulté de charlatan pour le vendeur de guenilles ou whatever. Il est devenu même un très bon client. Puis, il me respecte à cette heure par rapport à ce que je fais. Donc, c'est ça qu'on voulait vous présenter ce soir. C'est que il y a plein de choses qu'on aurait pu élaborer, mais je ne veux pas faire un zoom trop longtemps. Donc, ceux qui sont là ce soir, je vous remercie beaucoup. Ceux qui ne pouvaient pas être là pour question de vacances ou peu importe, tout le monde, vous allez recevoir l'enregistrement de toute façon. Tout ce qu'on vous demande, c'est de le partager parce que vous avez sûrement pensé à quelqu'un qui peut-être un coup de soleil, ou peu importe le mal de dos, il fait de l'insomnie, qui ronfle, je ne sais pas. Après 23 ans, je suis toujours surpris qu'est-ce que Nikan peut faire. J'en apprends tout le temps. Là. Je suis quasiment content que les gens s'essayent et se fassent mal. J'avais un monsieur, il n'est pas là à soir. Il est 80 ans aujourd'hui, puis je l'appelais mon Evil Knievel. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Evil Knievel. C'est un cascadeur qui se casse tout. Puis lui, pour son âge, là, il a fait du cheval avec ses tigres, tout pour impressionner ses petits-enfants. Mais il se faisait trop mal. Mais il était content, il essayait Nikan. Ça marchait à chaque fois. Il a toujours eu des résultats. Fait que c'est ça qui est l'avantage. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement, puis n'oubliez pas de contacter la personne qui vous a envoyé l'enregistrement parce que c'est un cadeau qu'elle vous a fait. Elle vous a envoyé cet enregistrement-là, vous a fait un cadeau. Contactez-la parce qu'elle a d'autres informations à vous donner. Ça ne vous engage absolument rien. Tout ce que ça peut faire, c'est soit vous aider vous ou aider vos proches. Puis on est là pour aider. Puis je veux remercier encore Angelica. Tout le monde qui en parlait, mais Angelica, son témoignage avec ses filles, c'est wow. Tu sais, je veux dire, moi, ça me touche parce que là, elle a montré l'exemple de la maman qui est en train de faire un monde humainement meilleur, d'aider la planète avec la bouteille d'eau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le produit mon préféré que je ne peux pas m'en passer. Je vois partout ce que je vois, j'ai ma bouteille avec moi, ceux qui savent. Donc, sur ça, on va arrêter l'enregistrement pour une petite série questions-réponses après. Fait que merci Sylvie. Merci à tous. On se revoit lundi prochain, même heure, même poste, à 8 heures. Merci.